la bonne heure. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec Colline Mattel, notre médaillée olympique en saut à ski. Sur sautoir. Sur ski, voilà. Non. Sur sautoir. Bon, bah, soit ski féminin. Ski féminin. Oui, voilà. Soit ski on fait les mâles. Soit ski féminin. C'est important courage, parce qu'il n'y avait pas de ski féminin. Ben non, c'est la première année qu'on peut enfin concourir aux Jeux Olympiques. Alors que ça fait 90 ans que le saut à ski, ça faisait partie des premières épreuves aux JO d'hiver. Ah bon. Et ça fait 90 ans que les femmes. Étaient exclues. Oui, il y avait un championnat du monde, il y avait tout ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les femmes étaient exclues de ce championnat? Ben, non, la même raison pour laquelle les femmes sont exclues de beaucoup de choses. Enfin, oui, c'est un truc sexiste, oui, absolument. C'est quoi, la misogynie, le sexisme, tout ça. Mais attendez, elles ont le droit de descendre le slalom, pourquoi elles n'auraient pas le droit de sauter? De s'envoyer en l'air tranquillement. Bah, après, c'est vrai que c'est une discipline qui est. Même si les femmes ont toujours fait du saut à ski, c'est encore assez jeune. Et en 2010, par exemple, une des raisons pour lesquelles on n'avait pas le droit de concourir aux Jeux Olympiques, c'est que le niveau n'était pas assez dense, pas assez élevé par rapport aux garçons. Et le CIO, la FIS avaient peur qu'on fasse une compétition un peu ridicule. Ah, et puis, il y a. Alors, combien vous avez sauté? Au JO, là, j'ai sauté 99 mètres. 99 mètres, c'est quand même énorme. Ouais. C'est pas terrible. Et au final, il y a beaucoup bon de gens maison, qui ont été étonnés, qui m'ont dit, mais c'est dingue, les filles, vous sautez aussi loin que les garçons. Et oui. Et voilà. Bon, bah on va y revenir parce que on a tout à apprendre hein, sur le saut à ski féminin. Surtout vous. Mais après, vous allez en faire. On va rigoler. Bonjour l'agriculture. Allez, lundi. Patrice, c'est à vous. Le quiz de Patrice Carmouze. Justement, tiens, à propos des JO, il y a un jeu qui est représenté au JO et auquel on va pouvoir jouer à la Cité des Sciences dans une exposition. Mais curling. Ouais, ouais, du curling. Absolument, ouais. Une exposition qui s'appelle Zone 3, c'est la glace dans tous ses états. Ouais, et bien, donc, vous allez pouvoir les jouer au curling. C'est ce soir où il y a des techniciennes de surface qui aplanissent la glace. Avec le petit balai pour avec réchauffer balai, la glace et pour que elle glisse mieux. Le curling. Donc ça freine. C'est interdit aux femmes en plus. C'est lamentable. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'elles ne peuvent pas balayer. Alors, selon la mythologie des Vikings, il devrait se passer quelque chose demain, samedi. Oui, bien sûr. On savait. La mythologie des Vikings. C'est pas. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui va se passer demain quand même. Mais demain, parce que c'est samedi. Demain, samedi 22 février. Parce que c'est le 22 ou parce que c'est en 2014? Parce que c'est le 22 février 2014. C'est une invasion. Ils vont remonter la Seine comme. Non, il s'est passé quelque chose. Figurez-vous qu'il y a 100 jours, il y a un Viking qui a joué du Gjallarhorn. Oh non, c'est moche. Et quand un Viking joue du Gjallarhorn, 100 jours après, il se passe un truc terrible. Mais oui, c'est la fin. C'est mais le il déluge. A joué ça où? Il a joué ça en Angleterre pour annoncer le festival Viking de York. Ouais, c'était avec John Lennon, je me souviens. Ça se passe en Angleterre, donc ça risque rien. Non, c'est risque pour. C'est quoi alors? La tempête. Plus que ça. Ah, un ouragan. Les sauterelles. Mais plus que ça. Ah, terrible. La fin du monde. La fin du monde. La fin du monde demain. C'est demain. Ouais, mais qui se mettent d'accord avec Nostradamus? C'est le dernier qui a annoncé la fin du monde. C'était Paco Rabanne. On l'a plus jamais entendu depuis. Il a disparu en même temps. Avec sa station Mir, vous vous souvenez? Oui. Alors cela dit, la fin du monde des Vikings, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même deux survivants. Donc on a une petite chance. Hein. Vous vraiment, imaginez si c'est Nabila et Michael Vendetta. Ouais. Et puis, vous imaginez la civilisation qu'on a créée. Et si c'est deux grands Vikings. Comment on fait deux mecs. Comment on fait? C'est embêtant. Qu'est-ce que les chercheurs japonais ont trouvé concernant le double cheeseburger? Il y a une grosse étude japonaise. Que sauf qu'il y a deux tranches de fromage. Ça faisait grossir. Ça fait grossir. Non, c'est pas ça. Non, c'est un truc très pratique. Ah bon? Très pratique. Ça cale les portes, je sais pas. Elle sait. Venez au micro. C'est elle qui a écrit votre papier, Patrice, on va le rappeler. Bah, c'est comment tenir le cheeseburger. Avec des baguettes? Comment tenir le cheeseburger pour pas s'en mettre partout. Voilà. Donc il y a une méthode. Alors il y a une méthode, c'est ça, il faut placer l'index
et le majeur d'un côté et l'annulaire et les pouces de l'autre. Oui, on va tenir un burger. Comme ça. Non, mais c'est... Ouais, ouais. Comme c'est ça, très radiophonique. Et là, ça ne se renverse pas. D'accord. Il y a 5 ans d'études. Financé par l'État. Financé par les Japonais. Bon, on leur laisse au sushi. C'est ni pour ni mauvais. Non, on va pas. C'est autorisé. Lundi, c'est peine de mort. Par contre, c'est comme ça. Une dernière. Allez, on va avoir droit à des publicités pour un produit bien français, mais qui a subi un préjudice depuis quelques semaines. Lequel? La quenelle. Oui. Mmh. Bah oui, absolument. Évidemment, la quenelle, Oui, l'image a été ternie, donc les ventes ont baissé d'ailleurs, les ventes de quenelle ont baissé, c'est quand même terrible. Ouais. Parce que c'est très c'était bon. Déjà pas super haut. À part si vous habitez Lyon, Nantua, c'est bon, c'est très bon. C'est très bon, mais oui. Est-ce qu'ils vont faire des quenelles cachères? Probablement, il faut relancer la vente des quenelles quand même. Bien sûr, c'est dommage. Donc on va avoir de la pub pour les quenelles. Très bien. Dernière, non, c'est tout. C'est bien. Merci beaucoup, Mathieu. Peace out.